Tu restes à 9,5 jusqu'à temps qu'il y ait des problèmes. Dès qu'il y a un problème, tu repasses à 7. Le temps que ça se calme. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'eau. C'est qu'on attache les couches de dépôt. Plus tu vas dans le temps, plus tu attaques des couches anciennes qui sont de plus en plus résistantes. Et quand elles lâchent, elles créent plus de manifestations pour sortir. Parce qu'entre le moment où ça se détache de la paroi, ça va dans le tuyau et ça sort, en plus de ce que tu manges, c'est pas facile. C'est un double travail pour le tuyau. Donc, ça recommence le symptôme que j'avais il y a 15 ans. Là, je faisais de l'asthme, là, je ne fais pas de l'asthme, mais j'ai un peu une gêne pour respirer. Hein, tu repasses à 7. 7 et puis après 6. Et puis après... Voilà, tu as bien compris. Toujours le même principe. Et qui est-ce qui décide? Le tuyau. Voilà, vous avez tout compris. Donc, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre responsabilité, ce n'est pas le pH, c'est le tuyau de votre cliente. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, ce protocole 7, 6, 8,5, 9, 9,5, c'est normalement à peu près un mois et demi, quoi. On l'étale sur 3 mois. Ça fait 3 mois pour arriver à 9,5, tu es 3 mois. 15 jours, 15 jours, 15 jours, 15 jours. 45 déjà. Voilà. Plus 15. Plus 15. Bah, de 6. De 6. Plus 15 de 8,5, plus 15 de 9, plus 15 de... On a dépassé les 3 mois. Ah oui, pardon. Bon, maintenant, quelqu'un qui est déjà à 9,5 depuis 2 ans. Mm-hmm. J'ai compris ta question, enfin, je l'ai entendu. Oui. Très fort. Tu t'en fous? Laisse-le à 9,5. Jusqu'au moment où il dit ah oui, là, je sens des crampes. Ouais, voilà, je commence à avoir des crampes dans les jambes, c'est normal. Comme ça. Non, c'est pas normal, c'est fantastique. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'il faut l'expliquer, c'est pas. Bah oui! Votre sang se fluidifie, il est de meilleure qualité, il tombe plus vite dans les tuyaux. Alors quand ça tombe plus vite, qu'est-ce qui se passe? Comme un train qui accélère. T'as la locomotive qui part, les wagons ils restent un peu, là il manque de l'espace, il manque du sang. J'ai la crampe. Faut laisser le temps à la rate bleue de fabriquer un peu plus de sang, parce qu'il y a plus de place dans les tuyaux vasculaires pour mettre plus de sang de meilleure qualité. Parce que tu l'as fluidifié grâce à l'eau, tu as fait ton vin, et grâce à tomate, ail, oignon, persil, qui fluidifie le sang. Ouais, c'est un mix, tout se fait ensemble, avec le manger et l'eau. C'est ça ce qui est fantastique. Et donc, du coup, si cette personne a des crampes, il faut ralentir un peu la fluidification. Ouais. Mais, tu repasses à 7. Voilà. Tant que ça se calme. Tant que ce n'est pas calmé, reste à 7. Ah, 15 jours, ça fait 15 jours. Encore 15 jours. Il n'y a pas le feu. On débouche. Donc, plus on avance, mieux c'est. Donc, on n'est pas pressé. De toute façon, ça va s'améliorer. Intéressant. Voilà comment on peut bien utiliser cette eau. Vous allez voir que bon, sur vos clients qui sont contents, laisse comme ça. Mais ceux qui étaient un peu tu dis non, mais alors maintenant j'ai appris un protocole plus adapté à l'état de votre tuyau. Parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous. Ah bon, ça leur plaît. Oui. D'accord. Ok. Voilà, on va faire comme ça. J'ai appris un protocole, on va faire 15 jours comme ça. Ah bon, moi je vais essayer. Et dès qu'il y a un symptôme, hop, on repasse à 7. Comme ça, ils sont tranquilles, ils sont là surveillés. Et quand c'est des histoires, c'est la quatrième, quand c'est des histoires d'acidité dans le corps. Comment elle compte? Oui. Des acidités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, acidité dans le corps? Des gastriques, des choses comme ça, des remontées. Faire parce que moi, je alors, c'est pas des acidités dans le corps, c'est ou bien il y a une inflammation qui n'a rien à voir avec l'acidité, ça frotte, ou bien il y a des déchets dans le sang. Donc, quand ta question habituelle n'existe pas, c'est où ça remonte et ça brûle. Bah, ça remonte, ça brûle parce que ça ne peut pas descendre. Ça ne peut pas descendre parce que tu as mélangé rapide et lent. C'est tout. Hein.
Ah, les gens qui font les reflux acides, c'est ça, alors? Évidemment. Pourquoi tu veux que ça remonte? Les ulcères, c'est pareil. Je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand tu le fais et que tu es vraiment, vraiment méchant et tu insistes à mal faire. À la fin, tu te dis, bon, écoute, tu veux rien comprendre, ciao, démerde-toi. Tandis que là, en faisant comme ça, tu vas dire, tiens, il y a quelqu'un qui a compris ma mode, qui sait me parler, et il va t'aider. C'est le tuyau qui va faire le boulot, c'est pas vous. C'est pas l'eau, c'est pas le repas. C'est le tuyau de la personne, c'est ça. Il faut se le mettre dans la poche, le tuyau. Et il y a des cas, ça s'appelle des paramètres qui maintiennent en vie, là, de... J'ai oublié le terme. Bon. Homéostasie. Voilà. C'est ça. Nous, on favorise l'homéostasie. C'est-à-dire le corps, t'arrêtes de taper dessus, il se remet en équilibre tout seul. Il sait le faire. Faut pas le faire à sa place avec des comprimés ou avec des techniques. Il sait le faire. Faut lui donner le moyen de pouvoir le faire. C'est ce qu'on fait avec ce réglage alimentaire, cette manière d'utiliser l'eau alcaline hydrogénée, et on va leur demander de faire les exercices que voici. Un abdomen, s'il vous plaît.